مساء الخير، كنتلقاو إذن في ثاني موعد لنا في هاد السنة من هنا من نواحي ورزازات مع هذا المنظر الرائع اللي كتشوفوا ديال قصبة أيت حدو، طبق ثقافي متنوع إذن، والبداية غادي تكون بألوان وإيقاعات أمازيغية كيف ما غتشوفوا في العناوين. بيرت باس حافلة فنية من أبرز محطاتها البيضاء والرباط وفاس، تؤتتها أعمال تشكيلية من توقيع معاذ بولانا وديبورا بن زكين وياقوت قباج، زيارة للمعرض المتجول في نهاية العدد. نبداو هذا العدد من هنا من تملال تبحيت عندي غادي نساليو هذه الحلقه بمبادره فنيه فريده وهي الارت باس او حافله الفن، بحيث كتعرض مجموعه من الاعمال التشكيليه داخل حافله وهي اعمال من توقيع ياقوت قباش، معاد ابو الهنا وديبورا بن زكن. محطات هذه الحافله الفنيه هي الدار البيضاء ومراكش وفاس. Collective, ce sont trois artistes qui présentent leurs travaux dans l'autocar. Il s'agit de Yaqut Qbesh, de Mouad Aboulhana et de Deborah Benzaken. Trois techniques différentes, une photographe, une artiste peintre et un artiste plutôt street qui a travaillé sur des travaux très urbains. الفن ديالي هو مقتبس من الفن بوب ارت، الفن الشعبي. في الاول كان استخدم خلفيات فن الشارع ستريت ارت، من بعد طورت حتى وصلت الى الفن الشعبي. الوغ بوب ارت هو كناخذ اشياء تقنيه مودرن، تقنيه عصريه مع اشياء تقليديه وبورتريات تقليديه. De faire un travail qui me fait penser à un casa qui n'est pas, qui aurait pu être, qui est un peu, c'est un peu du rêve puisque ça ressemble même un peu à la bande dessinée, ou c'est des photos assez crues d'un casa un peu en, pour moi en tout cas qui laissé à l'abandon un petit peu sur ce qui est les bâtiments et les merveilleux immeubles qu'on a eu et etc. Et j'avais envie de montrer par l'aluminium aussi la luminosité de Casa, qui est exceptionnelle, avec la mer, avec Casa, enfin le Maroc, mais Casa, puisque c'est ma ville, puisque voilà. Donc, et le fait que ça s'abîme, parce que la luce s'abîme, se raye, voilà. Donc c'est comme un rêve désuet un peu, et voilà. Ça m'a vraiment beaucoup plu comme idée voilà, d'avoir un bus gratuit où les gens peuvent venir voir de l'art et qui va vers les gens. Ici, c'est très difficile parce que les choses ne viennent pas beaucoup à nous. On doit aller les chercher. On ne pense pas forcément aller à une galerie et pour voir un artiste. Alors que là, c'est un événement qui nous pousse à venir et à voir. Et c'est absolument extraordinaire. Une chaîne ou les galeries d'art
عندهم واحد ليماج كي اتاشي ان سيغتين ريشيس اليت ماشان تو. الوغ دوكو كاين الناس اللي بوحدو كيتبرزط كيحشم ما كيبغيش يمشي ولا كيتسحب واش سي بريفي طونديس كو سي اوفير بور تو الموند. يعني مزيان لاباس بحال هكا باش الناس يعرفوا بلي ان راه فيت راه هادشي ديال كلشي. C'est déjà une approche très pédagogique parce que là, c'est plutôt l'art qui va aller vers ces quartiers. Et après, évidemment, parmi les gens qui viendront voir le travail, il y aura de la documentation à bord de l'autobus qui donnera des directives sur où se déplacer pour voir des expositions en les murs. Donc, c'est un échange, en fait, c'est un procédé qui permet donc surtout de rapprocher les gens et de leur montrer surtout que l'art, c'est quelque chose qui est très accessible. Dans une galerie d'art, on a des collectionneurs, mais les expositions sont en place pendant un mois et un mois et demi, ou un mois et demi, et elles sont en place pour que le public puisse le découvrir. Ça sert à ça aussi. وصلنا نهاية عدد اليوم. تفاعلوا معايا على الايميل اللي كتشوفوها الشاشة وانضموا للصفحة الرسمية للبرنامج على الفيسبوك. ومسيا سعيدة للقناة الثانية وإلى اللقاء.